sans tremper sur l'heure, c'était 10h30 ce matin. Nous sommes aujourd'hui le samedi 6 juillet, il va être bientôt 10h30. Nous sommes invités à participer à une visite guidée du parc Beaumont sous toutes ses coutures. Allez, venez. Le rendez-vous est autour du kiosque. Magnolia. Le compte est bon. Et ce matin, on va faire la visite de ce parc Beaumont qui a été inauguré la semaine dernière. Donc l'idée, c'était de lui redonner son faste du départ, c'est-à-dire de 1878. Ce parc, parce que son idée, c'était de créer une liaison entre le quartier Trespoil, qui était un quartier de résidents, et le boulevard des Pyrénées. À ses élus, ils n'auraient pas fait un kiosque également. Et le kiosque qui est... L'idée d'un circuit fermé. C'est ça quand je dis le mini Versailles, hein. Je ne vais pas plus loin. Voilà, donc on retrouve les trois phénomènes ici. Alors, Henri Martinet, c'est vraiment le jardinier de la Belle Époque, fin 19e. Monsieur de Corge, lui, va être le, on va dire, le paysagiste de l'entre-deux-guerres. Entre les années 20 et 30, 35, c'est lui qui va réaménager tous les espaces qui existaient déjà. Deux statues qui ont disparu. Alors, une première statue dont on a laissé le socle, voilà, la statue 2, c'est ce qu'on avait envie de faire, et Estos Predoloron, Escot, pardon, Predoloron. On va avoir une autre statue, donc il ne reste que le socle. D'Albert Saleza, je ne sais pas si vous le connaissez, Albert Saleza, c'était un très grand chanteur aussi, il est né à Bruges, et il est parti à Paris et ensuite il est devenu professeur de chant. Il avait une voix absolument probablement au point. Parce que c'est vrai, c'était un endroit. Depuis les jarres hein, qu'un enfant porte, juste en bas il y avait un grand bassin aussi. Une autre statue à voir. Moitié l'État.
Et c'est un artiste qui s'appelle Edmond Destin qui avait été médaillé d'or. Avec le chêne aussi, vous voyez une petite, un petit arbre qui passe derrière lui avec des feuilles de chêne, parce que le chêne c'est l'arbre qu'on va le plus retrouver. C'est alpha. On va nous montrer différentes essences d'arbres. Les fruits, vous voyez, voilà, ceux-là. Alors ils n'ont pas encore atteint leur taille maximale. On est plutôt sur un citron qui va permettre de 5. Donc voilà. Et les jardiniers aussi ont voulu jouer aussi avec la diversité. Ces étrangers et tous ces palois hein, qui vivent. Voilà. Les ormes, ils sont ici? Et non, pas ici, je vous montrerai. Continuons pour découvrir de nombreux arbres. Oui, en général, on les trouve par deux. Donc, il faut changer aussi. C'est possible, mais bon, comme c'est quand même un cas. Du peuple américain, c'est étonnant. Moi, je pense qu'il était malade. Ouh. Pour une raison ou une autre, l'un des troncs tombe malade, ben l'autre va prendre aussi sa maladie. Et là, ben là c'est la mort annoncée de deux. Voilà le couple de cygnes. C'est faire en sorte qu'on ait fait. Et ensuite, les poumons. On a ce jardin, mais de façon étagée. Je vous disais, le jardin à la française, hein, c'est vraiment. Il y a un immense. De l'arbre, soit la fleur, soit le bourgeon, soit la feuille, soit l'écorce. Et après, il va vous prenez en photo, vous validez la photo, vous la reprenez. Et ensuite, il vous dit, ben voilà, ça c'est un ou. Donc, et, il va vous donner un petit peu la. C'est une variété d'acacia. C'est bien pour jouer à attention, c'est vraiment un arbre qui est tout nu là. Et si ça forme. C'est un orme d'Amérique. L'orme champêtre, il a une feuille qui ressemble. Pédoncule. À feuille d'érable. Bon, ça, vous avez compris que ce sont des mélanges, hein. Ce sont des croisements qui ne sont absolument pas naturels. De cet arbre, grâce à l'application avec le portable. Phytosporum undulatum. D'accord. Le phytosporum, c'est ce qu'on retrouve qui ressemble beaucoup à l'orange, c'est comme l'oranger du Mexique, ça sent très bon. Dans le cas où l'application se serait trompée sur le nom de cet arbre. Puis le problème, c'est qu'il y a des feuilles jeunes. Ah, il me dit que c'est un chêne chevelu. Donc vous voyez, c'est différent. On a un autre. C'est pas la même chose. Comment ça doit être écrit de... Non, c'est pas le chêne. D'abord c'est un chevelu, après c'est un vert. Après c'est un peu la forme de feuille de chêne. Ici en jardin pyrénéen, un théâtre de verdure. Vamos. De Simon Palay, des chênes à feuilles de châtaignier. Théâtre de verdure. Et jardin pyrénéen. Là, on a. Les dindes. Mon séquoia géant, il était à côté du. Théâtre de verdure. De nouveaux grillages. Il y a peut-être à avoir de nouveaux travaux effectués. Un tour au jardin pyrénéen. Thank you.
c'est beaucoup plus connu, les Pyrénées sont... Et l'idée aussi, voilà. Et direction Théâtre de Verdure. L'installation de la scène pour les concerts d'été. Qu'on a enlevé, qui était ici. Écoutez, je crois que si vous n'avez pas d'autres questions, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. C'est agréable. C'est le fin de semaine. Je ne vous ai pas montré, mais... des salles de jeux, joli volo, la salle de jeu, il est ailleurs. Terminé. Weiss, le pauvre, j'ai l'impression qu'il a besoin d'eau. Faut peut-être lui mettre un parasol. Voilà, c'était ma vidéo de ce samedi 6 juillet pour vous faire participer à la visite guidée du parc Beaumont. Et vous donne rendez-vous pour voir de WDD Nichon News. Et nous remercions Gabriel Doucinet qui a été notre guide.